Aujourd'hui on est à Rennes, il fait pas trop mauvais. Et là on a trouvé un petit spot sur lequel s'échauffer. Let's go, c'est parti. Là j'ai envie de faire front, rondade hyper full, histoire d'arriver dans l'axe de la barrière, faire un petit passement, faire gainer, après quelques petits passements fluides, arriver sur le dernier mur et puis faire double full. Ça ce serait carré. Ouah, j'ai tellement eu peur. J'ai tellement cru qu'il allait se prendre le petit muret. Oh, j'ai failli tomber en arrière. La barrière est beaucoup trop haute, c'est trop chiant. Non! Dommage. Allez. Non. Oh. Putain, sur ma double full, je suis parti corps comme ça. Ah ouais, mais elle était trop belle. Bon, faut que je la refasse. Allez. Ça continue. Allez. Oh, yes. Oh, c'était chaud. C'est quoi le projet, chef? J'ai un bac press. J'aime bien ce mot. Il est chaud. Il est en train de nous cuisiner un truc là, le petit Romain. J'étais dans le mur. Vraiment, j'ai vu mes incisives dans le vent là. Il a fait une comme moi un peu. Mec, mais pourquoi ça va les tibias? Ouais, ouais. Genre ça a juste tapé là. Je crois que c'est un peu blanc. Hein. Ouais, c'est un peu blanc. Ouais. Après un petit fail, double chat. Double chat, bah, qui était pas un double chat en fait. Ça aurait pu faire triple chat, mais bon, on est reparti. On arrive sur Jacques Cartier, un spot qu'on a déjà fait en vidéo, vous connaissez bien. Mais nous on trouve toujours des défis à faire, du coup ça va partir en petite session. Le problème c'est que les petites couleurs là, ça glisse bien fort. Donc il faut bien sécher les chaussures, etc. Et là j'ai trouvé un press à faire. J'ai envie de le stick et pour après pop une double full. Mais le problème c'est que c'est chaud à stick, parce que bah, déjà le drop il est énorme. Du coup voilà, ça va se faire. Ça va venir. J'arrive et en fait je suis comme ça dessus. Même si je plie les jambes, ça marche pas. Faut vraiment rien envoyer. Ouais. Ça va venir. Non. Ah dommage. T'as tellement bien envoyé. Oui, faut envoyer. C'est ça le truc en fait, le drop il est trop grand, mais il faut pas envoyer. Mais du coup ce type c'est vraiment chaud. Vous prenez la suite ou pas? Ouais. On vous laisse le spot hein. Allez, on va réfléchir. On peut vous faire un petit tuto, genre pour vous apprendre un peu. Non, les non, bases, au moins non, les bases. C'est peine perdue. Tu leur laisses parce qu'elles vont le faire après. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Parce que, ouais. On est quand même relativement pressés.
Ouh. Ah. Ah. Bravo quand même. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Bon, ça fait plaisir. C'est bien. En vous souhaitant une bonne après-midi. C'est le verre qui draine. Verre qui numéro 2. Scandale. Oh merde. Ah. Allez. Il a un objectif en tête depuis genre un an, c'est de faire le front à Clémenceau au-dessus. Par-dessus les deux barres de métro. Par-dessus les deux barres de métro. Et ça fait un an que ça lui trotte dans la tête, on est venu combien de fois? Là ça va être la cinquième fois aujourd'hui, on va y aller après. C'est la cinquième fois qu'on vient, et à chaque fois j'y vais, genre je me chauffe et tout. Sauf que je prends trop de temps parce qu'il y a tellement de monde, il y a des voitures qui passent, c'est un enfer. Du coup là aujourd'hui c'est le jour, il y a toute la team qui est réunie là-bas. Là je suis venu voir, parce qu'ici il y a une petite prep. Il y a deux barres, ça fait à peu près la même taille que Clémenceau. Il y a un peu de vide. Et Clémenceau, c'est pareil, c'est une sortie d'escalier. Du coup, bah, j'aimerais bien le faire là, c'est un peu le même setup. Le truc avec ce genre de défi, c'est que c'est tellement mental qu'on essaie de trouver d'autres spots qui ressemblent un peu pour que Mehdi il se mette en confiance psychologiquement sur le truc. Et du coup, là, c'est pour ça qu'il va essayer de faire des préparations ici. Mais vraiment, moi, c'est un truc que je peux pas, ça me stresse de ouf. C'est quand, avant un saut, tu dois y aller, sauf que bah, t'as vraiment genre un créneau de 15 secondes pour y aller. Et genre t'as une mamie derrière qui passe, t'as une voiture qui a passé, du coup tu dois te dépêcher pour le faire. Et moi je déteste ça, c'est vrai, j'aime bien prendre mon temps. C'est bon ça chef. Top. C'est top hein. Top. Vive la France. Vive la France. Vive la France. J'essaie d'Afrique, en gros, là, ma toi. Ouais, c'est vrai. Yes, merci. Ça c'est beau ça. Je dirais que toi africain mais que tu fais, c'est le courage. Félicitations mon petit. Merci frère. Bah, je ne te stresse plus, je vais partir. Ciao. Merci. Salut. Merci. Bonne journée. Merci. Vas-y, ça part. Mec, tu l'as défoncé. Tu l'as mis l'impression que t'as chill. Merci les gars, j'ai. Bon bah, cinquième fois qu'on vient. L'élan c'est ça. Et le front c'est juste là. Sauf que bah, il y a des gens qui passent derrière, il y a des gens qui passent devant, il y a des voitures qui passent là. Un enfer ce soir, c'est un enfer. Sous l'enfer. Bon là je vais faire des preps sur le côté. Comme d'habitude, quand je fais des preps sur le côté, bah je gratte un peu, du coup bah, je le fais. Et là ça me chauffe mentalement à le faire. On va faire des petits preps. Allez, vas-y, Mehdi. Allez, bombarde. Eh, il bloque pas, Jérém. Ah si. Mais là, je vois. Moi aussi, je peux y aller. Allez, Mehdi, c'est bon. Allez. Je l'ai démarré. Il est sur là. C'est bon. Allez Mehdi. Allez Mehdi, c'est bon. C'est maintenant.
Et le bâtiment juste derrière, c'est Rennes Métropole. Et en fait, bah, c'est un bâtiment où du coup, il y a Bayard, il y a tout le monde qui bosse. Sauf que là, quasiment tout le monde est en pause, j'ai l'impression. Ou alors, ils arrêtent juste l'heure de bosser. Ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder. À chaque petite fenêtre, bon, on voit pas. Mais à chaque petite fenêtre, il y a quelqu'un qui est en train de regarder ou alors qui est en train de filmer avec son téléphone. Mehdi il arrive pas à se concentrer parce qu'il y a trop de gens qui passent. Il y a les voitures, la sortie du métro et les gens, les piétons. C'est normal, on est à une station de métro, c'est normal. Et du coup, ça l'empêche de se concentrer et ça lui monte la tête. C'est maintenant, Mehdi. Allez, Mehdi. Allez. Ça y est, Mehdi a enfin fait son front, ça fait vraiment plaisir, il a attendu d'être prêt psychologiquement et mentalement pour le faire. Donc ça fait bien plaisir. Vous avez envoyé beaucoup de messages aussi sur Insta. Et ça régale, on a pu échanger avec vous sur plein de lieux en France, on va essayer de les visiter prochainement. Et voilà, on vous remet notre Insta si vous voulez communiquer avec nous. Si vous voulez nous filer un petit coup de pouce aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop. Voilà, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.